Bonjour, internetatrice et internetateur, ici Galden pour les jeux du Cygne. On retourne notre partie sur Terra Invicta. Alors, j'ai une première question, j'aimerais bien avoir vos retours en commentaire. J'ai modifié mes paramètres de son. Il me semble que ce que j'ai fait est un peu mieux, mais j'aimerais bien avoir votre retour par rapport à ça. Laissez-moi en commentaire, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si on m'entend mieux, si on m'entend moins bien, la comparaison avec le volume du jeu. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est. J'espère que ce sera suffisamment audible. Alors, notre situation est plutôt correcte. En tout cas, elle le sera jusqu'au 4 janvier. Notre adversaire, ce sera la flotte Victor 68. Est-ce que ce que j'aurais préparé sera suffisant? Est-ce que la flotte Terre sera capable de répondre à cette maxi-agression de 71 vaisseaux, 5,4K? J'ai moins de vaisseaux, mais j'ai une puissance qui sera globalement presque la même. J'ai encore des vaisseaux en construction. Donc, on va espérer que ce sera suffisant. J'ai encore un certain nombre de vaisseaux avec des canons plasma. Voilà, on verra bien. En attendant, on va avancer. Alors, je continue à améliorer mes relations avec le protectorat d'une part. Et le projet Exode d'autre part. J'aimerais arriver à trouver quelqu'un de l'humanité. Est-ce que j'ai quelqu'un de l'humanité qui se balade? J'ai personne de l'humanité qui se balade, donc il va falloir que je cherche activement. Je connais pas grand chose. Non, c'est enquêter. J'en ai repéré un autre. Surveilling target. Essayer de le choper. Reporting in. Pendant ce temps. Alors, en Inde. Il n'y a pas de souci. Peut-être l'agitation qu'il faudrait que je fasse baisser un peu. 08, 02 et 01. Tout va bien. Pour le reste, là, on est revenu sur des valeurs qui sont carrément correctes pour les États-Unis d'Amérique du Nord. Donc, je vais pouvoir sans doute blinder un peu plus. Donc, le savoir, on continue de l'augmenter. Bien-être, je vais pouvoir diminuer un peu mes investissements dedans. En unité, c'est pas mal. Je vais laisser juste un petit 9%. Un petit 10%. Allez, un petit 9%. Ça, de façon équilibrée. 30 000 de PIB par habitant. 50 000 ici. Donc l'économie, largement ce qu'il faut. 50 000. Je vais baisser un peu mes investissements de ce point de vue là. On continue d'augmenter le savoir. On va essayer de le faire arriver à des valeurs proches de 10. Pour l'unité, je vais rajouter un petit point. Tac, le reste au contrôle de mission. Ici. Donc, l'économie doit être carrément boostée, le bien-être, ça va, le savoir doit monter, le contrôle de mission doit monter aussi, unité, c'est correct. Ici, on continue de booster le savoir, le bien-être, ça va bien, l'unité que je peux éventuellement pomper un peu, l'économie que je pourrais clairement augmenter. 26 000 et contrôle de mission, on continue de monter aussi. Voilà des petits ajustements. Alors, je pouvais essayer de rallier lui là, 75%. Ça, hop. On va faire en sorte d'avoir un traître dans l'académie.
Gilou va me diminuer l'agitation. Ouais, en Inde. We'll restore peace to this nation. Et Dachus. I'm here. Dachus. Ouais, je peux. Lui, j'ai déjà Citron qui est dessus. Bah, tu vas aller baisser l'agitation également. We'll restore peace to this nation. Establishing contact. You ignoble vampires are no concern of ours. Il est toujours pas de mes habitats. Initiating contact. You've lined your pockets enough. In the name of progress, we must stand against you. Je vous donne des. C'est pas assez. Si je donne du boost, à mon avis, il va pas en avoir grand chose à faire. Si, bah si. Faire lui donner plus de boost et moins de sous. Choisir. Ah oui, mais en fait, 500 de boost, il est content. Oui. Oh, mais c'est comme ça que je vais faire. En fait, je vais pas lui donner plus de. D'accord, 200 de boost, t'étais content. Eh ben écoute, si toi t'es content, moi aussi. Person of interest surveilled. Serviteur, et eh ben je vais continuer d'enquêter sur lui. Ah, venons des plantes qui arrivent. Alors, j'améliore mes bases sur Mars. Hop. Et je les lance vers la flotte Terre. We now have a spy in their ranks. Et ben voilà. Petit espion. Académie, très bien. Oh, très bien ça. Alors toi, ma cocotte, tu vas pas rester là longtemps dans la structure extraterrestre. Violence is abating. Order is returning. Aha. Je l'avais pas vu, toi, Victor 210. T'as quelle puissance? 9 vaisseaux, 2,5K. Ouh. Non, 20 vaisseaux. 20 vaisseaux et 9,5K. 2,5K. Je pense que ma flotte Mars fait carrément pas le poids. J'ai 20 vaisseaux, j'ai moitié moins de puissance. Est-ce que ça peut passer? J'y crois pas trop. Voilà, je vais voir ce qu'il va faire. Je vais pas me lancer contre lui tout de suite. Je l'avais pas vu venir lui. Qu'est-ce qu'il a de vraiment fort? Je vois pas les puissances individuelles là. 20 vaisseaux de L5K. Il a quoi? Cuirassé. Il n'a pas de très gros vaisseau capital, mais il a quand même un cuirassé. Bon. Ben, on va attendre de voir ce qu'ils ont fait. Si c'est même bombardé ou autre. Chantier spatial. Très bien. 120. Wachi. Wachi. Ok. D'accord. Il va falloir que je développe. Ah oui, ça apporte 125 de base. Ok. Ah, et le niveau 3, c'est pas la même. Après, approvisionne. Et rejoins la flotte.
Bon, et du coup, il fait quoi avec sa flotte en orbite de Mars, aucune opération assignée. Ah oui, ça c'est notre espion, ok. Bombardement orbital. Alors... il se met à me bombarder. La station Alcanio sur Arcadia Planeta. Alcanio. J'ai 591, donc je vais lui répliquer dessus. J'ai combien de... j'en ai qu'un seul. Bon. On va voir comment ça se passe. Ça a l'air de bien se passer. Il bombarde, mais ça fait rien. Bon. Plutôt une bonne chose. Où est-ce que je vois ça? Non, là. Réseau de défense hiérarchisé, tir, grand canon vert, à arc. Oui, donc j'arrive à le toucher en plus. Alors, je lui fais quelques dégâts. Et... ok, donc ça, normalement, c'est bon. Jusque-là, tout va bien. Bon. Alors, quand il aura fini de s'énerver... peut-être bien que j'irai moi-même lui compter fleurette. Ok. Bon. C'est intéressant. Alors. I work for you now. Non. C'est ready for my mission. Gilou, t'es à 20 de commandement, c'est pas assez. Je peux faire investigation, furtivité, plus 3 persuasion. Est-ce que je pourrais encore améliorer? Je suis à combien en admin là avec lui? Je suis à 26. Je vais augmenter son commandement directement. Est-ce que je peux prendre un truc genre SG? Ça me nécessiterait d'enlever 3 points. Alors, je pourrais enlever ça par exemple. Ça donne de l'admin, ça donne le commandement. Je pourrais enlever ça. L'objectif, c'est quand même de booster mon commandement. Celle-ci est meilleure. Ça me fait 23. Est-ce que je suis susceptible d'arriver à 25? Rapporte, que j'ai d'autres trucs qui rapportent un peu d'administration là-dedans. Non, pas particulièrement. Si, celui-ci. Plus 5 pour 2 étoiles. C'est l'équivalent de ça. Ah non, celle-ci est moins bien. Celle-ci va me donner plus. 4000, c'est cher. Donc là, logiquement, je suis en excédent. Je suis à 28, donc je peux détacher celle-ci.
éventuellement m'en rajouter un truc qui me rajoute un commandement, mais je l'ai, j'en ai pas. Dommage. Est-ce que j'en ai pas sur un autre? Un point de commandement, si toi par exemple. Hop. Oui. Hop. Tac, rattaché. Ça te mettra à 24. Du coup, ouais, bah, tu vas mettre ça à la place. Hop. Alors, c'est quoi tes chances de détruire? Bon, bah, ça va, 79%. Hop, 97%. J'ai combien? J'ai 919 de commandement. Going in hot. Acknowledged. Dashus, tu vas aller me péter les plantes. We're going in. Ouais, en même temps, je suis un Where peu con. Dashus, il a 24 en commandement, donc ça fait... Ready to go. Bah, ils ont autant maintenant. I'm here. Ready to go. Ouais, ils ont autant en commandement. What's the op? Ok, très I'm bien. Ah oui, donc je suis en train d'enquêter sur le mec des serviteurs. Donc toi, tu peux me faire de la diminution d'agitation. Ici, je suis 0,5, ça sera très bien. We'll make things safe. Alors, je vais continuer à guetter quand même ce qui se passe. Ici. Hop. Et est-ce que je peux avoir les deux en même temps? Est-ce que je peux avoir Victor et la fenêtre de gestion? Je pense pas. Bon, je vais y aller un peu moins vite. Quand même, ça m'intéresse de savoir ce qu'il arrive à faire. We'll open the channel. You ignoble vampires are no concern of ours. Hop. On continue de lui donner du gousselot amélioré. Allez. On va commencer. Establishing contact. Toi, t'aimes bien You've boost. Lined your pockets enough. In the name of progress, we must stand against you. Hop. C'est n'importe quoi qu'on puisse améliorer autant là. Victor 210. Tu continues à te prendre des coups, j'aime beaucoup ça. Est-ce que là ça tient? We've got some intel on our target. Très clairement. Hop, la prochaine fois, je saurai qui tu es exactement. Où est parti Victor 210, Institut d'énergie, favori. Projet Exode. Grrr. Ça me saoule. Tes billets, prends des coups. Hop. Ferme solaire. Ça avance. Centre de gériatrie, c'est pour les thunes. Je vais prendre les différents instituts de recherche. Order is returning. Très bien. Pakistan, ah ouais. Ah, j'avais un peu oublié de le blinder ce... C'est un peu con. J'avais oublié ce que je faisais entre deux épisodes. C'est quand même important de suivre.
157 joules. Ici, oui, là je l'ai. Là j'ai toujours l'union entre les deux. Il faudrait que je fasse sauter en fait. By the numbers. Le camion. Ça c'est très bien. Donc, ah, il recommence à bombarder. Le camion, ça va pas bouger. Nickel. Un deux là. Ah là, oui. Ok, donc il a viré l'une de ses corvettes, mais il a réparé les autres. Ah oui. Bombardement de faible niveau. Tout à l'heure, il était de niveau moyen. Je sais pas bien ce que ça va changer. Bim, ça va changer qu'il prend plus de coups. Ça me va très très bien. Putain, je pensais pas qu'un seul... Ah si, il m'a quand même endommagé. Ceci. C'est quoi, c'est groupe d'ingénieurs autonomes, d'accord. Bon, et ben tu sais quoi, je vais quand même le tenter. J'ai quand même vraiment envie de le tenter. Il a deux vaisseaux de moins. En plus, il est en train de bombarder, donc il peut pas bouger. Moi, j'ai... Combien j'ai 1,2K. J'ai envie de le tenter. Allez, soyons fous. Tac, on y va à fond les ballons. Et on se fait un gros combat contre une flotte déjà bien amochée. Allez. Essayons de voir ce que ça donne. Alors, on va se mettre... Mon mur. Un petit mur? Non, un grand mur. Ouais. Pour que... Allez, ça va être bon. En vitesse, ça va être bon aussi. Rapprocher. Allez, on va tester ça comme ça. Lui, il s'est étalé sur plusieurs niveaux. Ok. Non, si c'est ça. Il s'est étalé sur trois niveaux. Le 4-5. C'est quoi ça? Vaisseau de renfort. Ah, il y a des vaisseaux de renfort. Ah, on a une limite au nombre de vaisseaux qu'on peut mettre. Alors, mes canons Gauss, MK3. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des missiles. D'accord. Donc là, j'ai pas de canon à plasma. Donc... On va attribuer les cibles comme ça. Je vais en mettre deux. Tac, sur lui. Non, c'était un clic droit qu'il fallait que je fasse. Non, clic gauche, non, c'est bon. Hop. Tac. Ok, donc je les mets deux par deux. Les missiles, je vais attendre avant de leur attribuer une cible. Je vais attendre qu'ils soient plus proches. Allez, c'est parti. Il est probable que je m'en sorte avec quelques dégâts quand même. Mais c'est pas grave. Ce qui importe, c'est que je puisse lui l'amocher sérieusement. Alors ça commence à tirer de son côté, c'est les missiles du laser.
qui tire sur... Un autre pour le tirer. Wow. Là, il y a la défense de point. Qui intercepte le missile. Ok, donc ça, c'est passé. Sa défense de point également est en train d'agir. Ah, là, j'ai lui qui commence à prendre des dégâts. Ah oui, j'ai oublié de... tracter mes radiateurs, c'est pas une bonne idée. Alors, toi, tu commences à prendre des dégâts. Je vais donc te définir une cible la plus proche possible. 795. Et tu vas tout lâcher. Faire les ceux qui sont pas touchés encore. Tac. En essayer de me passer derrière. Je vais me le prendre pour cible. Et tu vas... Boum, ça commence à tomber chez lui. Voilà. Hop. Ah, j'en ai un autre qui est passé derrière, je ne l'ai pas vu. Là, il a ses renforts qui sont en train d'arriver. Toi, tu vas donc tirer sur lui. Hop. Pourquoi tu veux pas tirer? Le vaisseau a subi des dégâts critiques. D'accord, lui il peut pas tirer. Donc lui je vais le faire se désengager. Pour ça... histoire d'aller chercher mes... Les vaisseaux renforts. Attends, où est-ce qu'il est? Toi, t'es ici, donc tu vas faire demi-tour, s'il te plaît. Alors, on peut jamais modifier le premier, mais le deuxième, on peut. Voilà. Faudra en fait que tu ailles dans l'autre sens, s'il te plaît. Et que tu te désengages. Donc, toi, je comprends pas trop pourquoi. Même chose, tu vas faire demi-tour. Thank you.
Ah, il a quand même un gros là. Boum. Oh, mieux. De mon côté, je prends quand même vraiment pas grand chose. Alors, ça y est, donc là il a tiré ses missiles lui. Mais le problème c'est que il va sans doute intercepter. Parce que là j'ai tiré mes missiles, manifestement ça a fait assez peu d'effet. Je vais envoyer. En fait j'ai l'impression que mes canongos font très bien le taf. Tac. Donc je vais vous mettre en tentative d'interception, voilà. Mais pas trop vite quand même. Ouais, on va y aller doucement. Même chose, vous allez en tentative d'interception, mais en adaptant la vélocité. Ça fait carrément défoncer. C'est vraiment pas que j'y arriverai aussi bien. Ça laisse plutôt de belles perspectives quand je vais devoir combattre sa flotte ennemie. En fait, j'ai vraiment le sentiment que les vaisseaux aujourd'hui sont bien plus forts que les siens. Vous allez lui comme cible et vous allez vous orienter vers lui. Je vais mettre un troisième. Hop, 1, 2, 3. Vous allez cibler lui. Et vous orientez vers lui. Et lui, ici. Hop. Ah, j'en ai un. Boum, voilà. Hop, tentative d'interception, mais pas trop vite. Je suis rentré vers lui, et... Et ben, quelle réussite. La vache. Ouf. Croyez pas trop. J'ai rien perdu. J'en ai un qui a pris un peu de dégâts, mais... La vache. Bon, et ben c'est cool. Moi, ça me plaît bien, ça. Ça me plaît beaucoup, beaucoup. Donc, du coup, c'était quoi? Est-ce que tout est bien réparé? Et El Caño... C'est bon, tout est en cours de réparation. Gros, gros, gros succès. Hop, tu vas... Alors, aller vers celle qui est la plus proche, c'est laquelle des deux? C'est laquelle des deux? C'est... non, c'est pas l'orbite extrême que je veux, c'est la plus basse. Hop. Les soldats de l'initiative ont attaqué des installations extraterrestres dans la région de Londres et ont capturé 3 exomatériaux.
Nous avons trouvé des preuves d'au moins 7 enlèvements commis par les extraterrestres dans cette région et nous avons mis en détention des esclaves des extraterrestres précédemment inconnus. Nous pensons que nous avons porté un véritable coup à l'influence des extraterrestres dans cette zone, ce qui limitera leur capacité à mener à bien leurs opérations pour quelque temps. GG Gilou. Voilà, termine le transfert, répare. Réapprovisionne. Even the air in these is a product of labor and machines and energy, so I think setting up a subscription package would be in order. Chairman Soren van Beek comments to Western Armory's board of directors. De l'utilisation de machines et d'énergie. Alors, je pense qu'il serait bon de mettre en place une formule d'abonnement. Toujours ce talent pour l'initiative. Donc, j'ai maintenant le T3 complet. Qu'est-ce que je vais rechercher ensuite? 100 000 Yata. Providence, économie, produit moins. Alors, essayer de limiter le. Normalement, j'ai le laser. Économie intégrée, terre-espace. Priorité, diminuer du dioxyde de carbone. Allez, on va chercher ça. Attends, qu'est-ce que je recherche? Voilà, la grande arme est quasiment finie. Hop. Communication de masse. Sur la diffusion, ça c'est pour faire tomber les gros états, c'est pas forcément très utile. Ouais, je vais faire ça. Non, elle a pas terminé son bombardement, elle s'est fait défoncer la trompe. Alors, de nouvelles organisations, j'en cherchais pour Gilou. Est-ce que par hasard... Là, je suis de nouveau à 25 sur 25, ceci dit... GGN. Non, il n'y a pas de petite organisation qui apporte plus un comme ça. Pas très grave, que c'est 24, il est déjà... parfaitement à sa place, presque parfait. Donc il n'y a plus de plantes, tout va bien. Alors j'ai toujours, il faudrait vraiment que j'arrive à trouver quelqu'un. Ah, là j'ai plein de gens inconnus. Surveilling target. Pour pouvoir aller chercher. What's the orb? Standing by for orders. Si je trouve pas quelqu'un. Initiating surveillance. De l'humanité. At your service. Hop. Là, je vais faire un peu de diminution. Hop, de l'agitation. We'll restore peace to this nation. Tac. Et je vais refaire un tour dans mes stations. Est-ce que là je suis... Normalement celles-ci sont là, elles ont été composées de toutes pièces. Ah oui, je pourrais aussi... Non, il y a un truc que je voulais faire du coup. Ah non, j'ai pas encore débloqué quel projet pour faire le T3. Les habitations T3 au sol. Non, je peux pas encore faire ça. Ceci dit, je voulais vérifier parce que quand même je crois que j'avais lancé quelques modifications de l'énergie dans mes stations. Non, pas là. Alors, retour entre les factions de l'initiative autour de la Terre. J'avais pas mis des... Non, j'ai pas l'impression. Les trucs d'énergie fusion nucléaire. Là j'en ai mis. Oui mais ça c'est une station que j'ai faite.
telle qu'elle, enfin qui est partie de zéro. Celle-ci, elle est en cours. Non, là, je ne les ai pas fait évoluer. Ah, par contre, je l'ai fait. C'est ça que je suis en train de faire évoluer ici. Si, là, j'ai de la fusion ici. Bon, je vais attendre. Je ne me souviens plus de ce que j'ai fait. Hop, allez. Nouveau projet disponible. Perfecto. Favori. Initiating contact. You ignoble vampires are no concern of ours. Oh bah oui, t'aimes bien le boost. J'ai toujours pas de mes habitats. Reaching out. You've lined your pockets enough. In the name of progress, we must stand against you. Ah, maintenant les 100, ça suffit. Et la Grande Inde, projet terminé. Ah zut, je me suis pas occupé du... Ferme de réacteur à fusion, je prends un favori. Donc, cœur de colonie. Je me suis pas réoccupé du Pakistan. Alors, du coup, j'ai des déclarations. Potentiel sur qui ? Agitation, revenu. Point de contrôle, PIB, population, nation, te rejoindre la fédération. Allez, je vais. Fédération, revendication. Donc, j'ai des revendications sur le Sri Lanka qui est à moi, sur la résistance qui pour l'instant est à moi, ça c'est protectorat, c'est chiant. Ok. Donc, je vais pouvoir. Récupérer ça, ça et ça. Ouais, c'est pas ouf comme comme revendication. Ça, c'est déjà au combiné panasiatique. Et le Myanmar qui est déjà dans le combiné panasiatique aussi. Hop. Ok. Nettoyage d'orbite. Hop, on nettoie, c'est nécessaire. Oh, ça coûte cher. Mission de défense des intérêts, je m'en fiche. Institut d'énergie, je m'en fiche pas. Propulsion à flux neutronique, qu'est-ce que tu vaux ? 30 000, ah, un gros. Une grosse poussée. Et une vitesse d'échappement pas ouf. Ok. Détonation nucléaire. non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas l'urgence. C'est pas l'urgence. Institut de sciences militaires, c'est nettement plus urgent. Alors, je vais pouvoir faire évoluer la station orbitale d'énergie, puisque maintenant, j'ai en T3, j'ai la... C'est pas ça que je viens de débloquer. Ah, mais peut-être que je peux pas le construire parce que j'ai pas le... ferme de réacteur... Ferme réacteur à fission, ça je m'en fiche. Obsolète. Réacteur à fusion, structure en miroir, tokamak. Action de fusion, fusion, moteur laser avancé, plasmide antimatière. Ouais, mais je crois quand même que la station Mazamara, je vais pouvoir la faire évoluer en T3 également. Donc, allez, 60 jours. Surveillance complete. 16. Ça va être chaud. We've got some intel on our target. Hop, on continue d'enquêter. We've found nothing of note. Ah zut.
Things are cooling off. Très bien. Petit succès critique. Défaite minière. Attends, où est-ce que j'ai fini de construire là? Canon à plasma amélioré. Rejoindre la flotte. Alors, centre de gératrie puisque j'ai passé en T3. Les stations qui vont bien. Où est-ce que ça s'est construit ça? Sur autour de Mars, truc de fusion. Ah oui, c'est que j'ai amélioré. D'accord. Les stations que j'ai améliorées. Ok. Cœur d'anneau. Ah. J'ai terminé. Très bien. Donc voilà mon premier anneau T3. Janté spatiale améliorée. Yes. J'ai rien en construction actuellement, je crois. De toute façon, celui-ci, il n'en a qu'un seul. Qu'est-ce que je construis? Juste autour de la Terre que je construis. Que ce soit. Donc, je peux améliorer. Canon plasma. C'est laquelle, celle que j'ai améliorée? Je ne vois pas. Donc autour de Mars, en orbite, non, station. C'est celle-là. Hop. Non, c'est pas celle-là. Ah non, c'est celle qui est, au contraire, c'est celle qui est en position basse. Ah ben oui, je vois là. Alors, ici, eh ben, je vais pouvoir améliorer ça déjà. Oh, ça coûte cher. Institut d'énergie, si c'est ça. J'ai bien le module de recherche T3. Je vais avoir besoin d'énergie. J'ai pas fini mes réparations sur. Je vais en faire d'autres de toute façon. Je vais en faire 4 autres. Et puis le reste, ben, ça va être de l'énergie. Voilà, on a le joli design des anneaux qui se met en place. Et il va me falloir de l'énergie. Donc pour l'instant, ça va être de la fusion. Ça risque de pas être suffisant du coup. Parce que. Ferme solaire, ça apporte 54. Oui, clairement. Ça, c'est encore. Ça reste mieux. Je vais avoir un petit souci d'énergie. Bon, j'attendrai. Ce que je pourrais faire fonctionner fonctionnera et ce sera très bien. Alors, toi, Mangazor, mon spatioport, justement. Alors là, pour le coup, les fermes solaires vont faire le taf. Avec leur 125. Mangazor, de toute façon, je fais évoluer. Sauf que je suis en train de construire. Hop, 180 jours. Moins 225. Non, consommation 630. Production 631. Alors, une autre ferme solaire. Non. Hop.
Donc là, je produis plus que je ne fais. Tour de l'administration, ça augmente mes points de contrôle. Donc c'est bon à prendre. Hop. Et puis ça m'augmente mes points de contrôle de mission. Ensuite, je vais faire d'autres fermes. Je réévolue ensuite pour essayer de limiter mes coûts de production. Et je pense que je vais avoir besoin d'une ferme de plus. Ok, 800-710 mois. Je verrai un peu comment ça va évoluer. Impulsion du triton. Je verrai ce que ça donne. Mais on va s'arrêter ici. Cœur de colonie. Voilà, un grand moment. Je vais m'arrêter ici. J'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Et comme je le disais au début de l'épisode, n'hésitez pas à dire si au niveau du son, c'était mieux pour vous que les précédents ou pas. Sinon, j'essaierai de continuer de modifier tout ça. Je vous fais bien des bisous, je vous dis à bientôt et ciao ciao.